Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Alors j'espère que vous allez tous bien. Et ben on se retrouve pour un petit unboxing partenariat. Mais avant de parler de cet unboxing qui est juste en dessous, je voudrais remercier. Je suis partie en week-end et j'ai reçu un cadeau d'une de mes abonnées qui me connaît très très bien, je pense. Qui connaît ma couleur préférée, qui est le vert, et qui m'a dit: j'ai trop pensé à toi, j'ai reçu une commande de chez DAC et ce stylet, bah, je savais qu'il était pour toi. Et bah voilà, donc elle m'a envoyé ce petit stylet tout vert, vert pomme. Voilà, donc moi, comme vous le savez ou pas, non, bah non, les vidéos ne sont pas sorties. J'ai eu quelques toiles DAC qui sont arrivées et j'ai également eu les petits stylets et je vais lui offrir le rose parce qu'elle est fan de la couleur rose. Donc moi j'aime bien aussi rendre service et faire un joli cadeau. Voilà, donc Stéphanie, merci beaucoup pour ce geste et ce petit stylo vert qui va diamanter avec moi sur mes diamants avec des strass, je pense, parce que avec mes diamants normaux j'utilise des stylets ou des pinces, mais pour les diamants cristaux je pense que j'utiliserai ton petit stylet. Stéphanie, merci. J'ai même pas vu ton petit mot. Je vais le lire au doigt, à moins que ce soit trop secret. Coucou Nanou, un petit stylet vert pour faire de beaux DP. Je te souhaite de bonnes vacances. Aloha, Stéphanie. Merci. Et avec des jolies fleurs que j'aime. Merci, Stéphanie. C'est super gentil. Je suis très touchée. Oh, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux qu'on ne s'y attend pas. Surtout de la part de nos abonnés. Enfin, voilà. C'est plutôt moi qui vous fais des cadeaux. Pas dans ce sens-là. Ça me fait énormément plaisir. Merci Stéphanie. Alors, on va ouvrir. Alors, c'est... Donc, je vais cacher celui-là. Ça va être mon partenaire One BI Digital Art. Non, je vais pas cacher. Donc, j'ai pris deux objets. Donc, parce que du coup, assez conséquent. Au niveau tarif, donc on était limité. Alors, vous savez, j'avais fait le petit frigo blanc. Et ben là, j'ai craqué, j'ai pris le rose. Voilà, il n'y avait pas de vert. Hein. Donc, sinon, j'aurais pris un frigo vert. Il y avait un turquoise, un blanc, un rose et puis un bleu. Voilà. Donc, j'ai pris le rose. Donc, je vous le remontre. Pour celles qui ont peut-être raté la vidéo avec mon partenaire One Day Saving. Donc là, c'est avec BI Digital Art. Ils sont super mimi. Donc c'est des siens. Je vais vous le couper. Hop, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Donc c'est un pot à stylo ou un pot à stylet ou un pot à pinceau. Donc moi je pense que je vais mettre mes pinceaux puisque du coup je vais faire la peinture par numéro. Voilà, donc vous avez un petit frigo super sympa. Vous pouvez ranger des choses dedans avec un petit tiroir. Franchement, à l'époque quand j'étais petite, je jouais avec... Il n'y avait pas des Barbies, mais j'avais, nous à l'époque, c'était des... Si, j'avais quelques Barbies. Et du coup, on avait des maisons de poupées ou des maisons de Barbies. Il y avait des mini-frigos et ça me fait penser un peu à ça. Donc, on a des stickers à mettre dessus. Voilà. Donc, moi, je vous montrerai ça une fois que je l'aurai monté. Et puis, ah, le carton est arrivé un peu enfoncé. Uh-huh. Alors, ça, je suis trop contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon mari est un râleur infini. Il râle pour un oui, pour un non, comme beaucoup des maris. Et son surnom, c'est Grincheux. Et oui, Grincheux des sept nains. Et là, j'ai trouvé ça trop trop bien. C'est une nouveauté qui vient de sortir. Donc c'est une pendule à poser sur un bureau. Et donc, je vais la faire pour ma moitié. C'est un secret, hein. On divulgue rien, on n'en parle rien. Ma fille, si tu passes par là, mon fils, bouche cousue, hein, on dit rien, papa. Donc, voilà, c'est Grincheux. Donc, vous voyez, ma main, il fait quand même une belle taille. Hein. Donc, on a la partie à diamanter. Donc, il n'y a qu'un côté. Donc, déjà, ça va aller très, très vite. Voilà. Ça colle très, très bien. Alors, j'ai jamais monté. Donc, je vais voir au niveau comment ça fonctionne.
Donc je pense que on met ici derrière, ouais, c'est ça. Et après, on a le support en bas et la partie des aiguilles. Donc il n'y a pas d'explication. Je ne suis pas très 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 bricoleuse, mais bon, je devrais y arriver. Je ne suis pas trop bête. Donc voilà. Et puis on a donc des diamants. On ne doit pas y avoir beaucoup de couleurs. Hein. C'est du marron, du rouge. Et il y a un petit peu de rose. Je pense que c'est pour son nez, son gros nez. Voilà. Je la trouve trop jolie, cette petite pendule. Voilà, donc ça va être vite fait à faire. Donc je vais la faire assez rapidement. Et puis soit je la diamanterai avec vous, soit je vous montrerai la partie montage. Parce que si je galère, au moins, s'il y en a d'autres qui l'achètent, vous saurez un petit peu ce que c'est. Voilà. Trop sympa, hein? Moi je la trouve très sympa. Voilà. Donc je remercie DIY Digital Art déjà pour me faire confiance depuis un an, puisque ma chaîne, elle a eu un an. Et DIY Digital Art fait partie des premiers à m'avoir proposé un partenariat avec DP Club, qui est un petit peu silencieux en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi. Donc je sais qu'il y a des partenaires qui viennent, qui repartent. Donc bon, après c'est pas très grave, je vais partir en vacances. Donc je ne préfère que les colis ne restent pas dans ma boîte aux lettres. On verra s'ils me contacteront pendant mes vacances et puis je recevrai les colis à mon retour. Ça sera de quoi vous faire de belles vidéos à mon retour. Voilà. Eh bien écoutez, je vous mettrai le lien de cette pendule et le lien de ce frigidaire pot à stylo dans la barre d'infos. Le lien et les tarifs pour que vous puissiez aller voir. Mais allez-y, courez. Il y a plein de petites nouveautés sympas depuis peu et je trouve ça trop mignon. Voilà, je vous dis à bientôt. Aloha. Thank you.